À Autun, Jean-Claude James nous invite à découvrir sa boutique, un héritage familial qu'il perpétue dans la tradition. Notre activité principale, c'est l'arme en général. Également la coutellerie, qui est une tradition dans la famille, et le vêtement. Nous avons l'arme de chasse standard, traditionnelle, qui s'adresse surtout à une clientèle locale et au moins locale. Nous avons l'arme fine de haut de gamme avec un petit côté collection. Les gens n'hésitent pas à venir nous voir, on peut dire, de la France entière. Et également l'arme d'occasion que nous garantissons. Nous proposons à nos clients chasseurs différents services, le montage et réglage de lunettes, le tir en stand, mettre à conformité les armes, mais aussi au cours de leur vie, de l'adapter. Les gens vieillissent, voient moins clair, ça nous permet, si vous voulez, d'adapter leur fusil au fur et à mesure. Nous aiguisons les couteaux en général et en particulier nous assurons l'aiguisage de nos amis agriculteurs à travers les peignes de tondeuse qui étaient amenées déjà à la boutique au début du siècle dernier. Nous avons la coutellerie professionnelle mais aussi des rasoirs que mon grand-père fabriquait et surtout le tiret droit que nous avons appelé le galvaché et qui est un petit peu l'ambassadeur de notre maison. Ce qui fait le succès de notre entreprise, je pense que c'est avant tout l'innovation dans la tradition, la possibilité de communiquer à l'échelon national grâce au site internet que nous avons mis en place. Et puis aussi l'accompagnement de nos clients dans tout ce qu'il y a d'humain et de relationnel. Nous avons effectivement un personnel qualifié et qui sont très attachés à la maison et qui suivent nos clients. Et surtout une jeune femme qui est la seule femme en France à avoir un brevet métier d'art section armurerie. Elle a représenté le ciel, la terre et la mer à travers trois fusils d'art et d'exception. La terre avec Amazon. Amazon est un corset féminin. Ce corset qu'elle a pu reproduire ici avec le corps d'une jeune femme, le lassage du corset et également de la dentelle sur la plaque de couche du fusil. La passion de mon métier, en fin de compte, c'est déjà la passion de la chasse. La passion, l'héritage un petit peu de familial et cette volonté de vouloir transmettre. Ma relation avec la Banque Populaire, eh bien, c'est un héritage historique puisque j'étais le premier client de la Banque Populaire dans les années 70 avec M. Malter. Et voilà, donc nous sommes toujours présents et fidèles après de nombreuses années. Et maintenant, allons voir comment Jacques Chaudeau, son conseiller Banque Populaire, s'est essayé à l'aiguisage. Attention les doigts. Si vous voulez vous essayer, alors vous essayez de partir de là jusqu'au bout. Je suis ravie de découvrir une nouvelle activité pour laquelle je me trouve pas mauvais. Et je suis persuadée qu'il va m'autoriser à venir faire des extras. Et c'est pas mal, je trouve qu'il se défend bien. C'est un vrai plaisir de découvrir une nouvelle activité. Bravo, ouais, toutes mes félicitations.